Saxi, Saxo, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment travailler la technique au saxophone. Alors, la technique au saxophone, bien sûr, on peut travailler les gammes. Par exemple, la gamme de Do majeur, on peut la travailler en tierce. On peut la travailler en quarte. En quinte, en sixte, en septième, en octave. En octave, c'est bien aussi. Hein? Donc ça c'est très 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 c'est des très très bons exercices pour travailler sa technique. Alors tu vas me dire ouais mais comment je peux travailler ma technique autrement hein? Ça c'est une bonne question. Voilà, désolé, ça bouge un peu la caméra. Ça par exemple les 23 mini puzzles d'Hubert Prati. Donc si tu commences de saxophone, c'est vraiment très 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 bien pour jouer au début, pour travailler la technique au début. Je pense que c'est une méthode qui s'adapte assez bien aux débutants. Voilà. Donc c'est 23 mini puzzles d'Hubert Prati. Après, si tu veux aller un petit peu plus loin, donc il y a la suite des mini puzzles. C'est les 17 mini puzzles d'Hubert Prati qui sont très très bien aussi. C'est un petit peu plus costaud, mais c'est bien aussi. Ça permet de travailler sa technique. Hein. Alors, moi, ce que je te dirais, c'est ok, il faut travailler la technique, mais aussi ouvrir tes oreilles. Hein, parce que c'est pas le tout d'aller vite. Si tu joues vite et que tu n'as pas de son, perso, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà. Hein, donc, si tu joues, par exemple, si tu joues le début de numéro 7 des mini puzzles, c'est ça. Et si tu joues avec un son, tu peux jouer avec un son plus grave, n'importe quoi, plus ample. C'est plus intéressant que de jouer avec un tout petit son et puis d'aller vite, hein, d'après moi. Voilà. Sinon, bon, eh bien écoute, je te souhaite de bonnes fêtes. Je te dis à très très bientôt. N'hésite pas à télécharger ma fiche des 7 clés pour apprendre plus rapidement le saxophone. Et n'hésite pas à t'abonner aussi sur ma chaîne. Salut, à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!